non, je veux pas faire cette vidéo. Aujourd'hui on est mardi 14 décembre et je m'en vais. C'est terrible, c'est terrible. Il est 8h du matin, je me suis douchée, ma dernière douche. Là je suis comme les enfants, genre le moindre truc que je fais je dis c'est la dernière fois. Hier soir quand je me suis couchée j'étais dans mon lit, je voyais toutes les lumières dehors. C'était trop beau et je me disais c'est la dernière fois que je vois New York de nuit. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Je suis très triste de partir, j'ai vraiment pas envie de partir. J'annonce dès maintenant, je reviens l'année prochaine. Mais j'espère pouvoir même revenir avant genre la fin d'année. J'espère pouvoir revenir plus tôt. Je reviens l'année prochaine, c'est écrit, je le dis maintenant, je reviens l'année prochaine. Programme de cette longue journée, je vais vous embarquer avec moi dans mes galères. Parce que là il est donc 8h, je dois rendre l'appartement à 11h. Donc il faut que tout soit fait, que ce soit donc mes valises, il faut que j'enlève toute la nourriture. Parce que vraiment c'est un appartement dans lequel j'ai vraiment vécu, c'est pas comme une chambre d'hôtel. J'ai deux valises, deux énormes valises, un gros sac, un sac à main. Et donc à 11h je pense que je vais aller donner mes valises à la réception et ensuite aller travailler au 31 de 11h à 13h. Parce que pour que vous ayez une vidéo à 19h tous les jours, elle sort à 13h ici. Donc de 11h à 13h je vais bosser sur la vidéo qui doit sortir parce qu'elle n'est pas terminée. Pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier, vous avez vu un petit peu. Et je vais vous amener avec moi. C'est que la deuxième fois que je prends un vol long courrier, mais surtout c'est la première fois que j'en prends un toute seule. On va voir comment ça se passe. Regardez juste l'appartement, je suis trop triste. En fait il y a tellement de produits, de trucs que je dois ramener, la douche, elle est remplie de produits. Là j'ai tous mes petits produits typologie. Là c'est le bazar. Regardez-moi tous, toutes ces fringues, tous les manteaux, les chaussures, les valises, tous les vêtements, la cuisine avec tout plein de bazar. Oh là là, j'ai un sapin. J'ai vraiment vécu comme si j'étais chez ma mère. J'arrive pas à croire que c'est le dernier jour qu'on regarde cette vue ensemble. C'est dingue. C'est tellement incroyablement beau. En plus aujourd'hui c'est magnifique, il fait super beau. C'est fait exprès pour me foutre encore plus la zème. Avant de me concentrer sur mes valises et déprimer, je vais me faire un matcha avec vous. Car cette partie de la vidéo est en collaboration avec Anatai Matcha. En fait j'ai envie de faire un truc aujourd'hui et ça tombe trop bien. Vous savez que la chose que je préfère le plus depuis que je suis arrivée ici, c'est de me mettre ici, donc sur le rebord de la fenêtre. C'est pour ça qu'il y a un coussin. Et en fait de regarder la vue. Et je fais ça tous les matins avec mon petit déj. C'était le rituel, si vous avez regardé tous les vlogmas depuis que ça a commencé. Et ce matin j'ai envie de le faire pour la dernière fois. J'ai acheté des cookies hier et je vais me faire mon matcha avec. Je vous montre comment je fais mon matcha avec le matcha cérémonie de chez Anatai, c'est mon préféré. Déjà là on est en hiver, ça y est, donc je fais mon matcha chaud. Jusqu'à présent je voulais toujours montrer froid, donc c'est cool de vous le montrer comme ça. Donc je vais faire chauffer de l'eau. Ensuite je mets une cuillère à café assez généreuse. Ok, là j'en ai mis beaucoup. Que je fais, c'est que je l'arrête avant la fin pour pas qu'il soit trop chaud, parce qu'il faut savoir que le matcha il faut pas le faire trop chauffer parce que sinon on peut perdre les bienfaits. Petit cours de matcha et je l'ajoute à mon bol de matcha. Je fouette avec mon fouet en bambou. Ça détend de ouf de le faire à chaque fois, je vous le dis, genre c'est ma petite thérapie du matin. Regardez à quoi ça ressemble. Et j'ajoute du lait d'amande. Ça c'est mon lait préféré, après vous mettez ce que vous voulez. Et attendez, il manque quelque chose. Un bon cookie lévin que j'ai acheté hier exprès pour Jérémy, mais j'en ai rien à faire. Oh mon dieu. Parce que je le mérite, parce que je suis triste. Et on va aller à la fenêtre. Alors voyons voir s'il est bon. Donc moi mon préféré c'est le cérémonie je pense. Et il y a aussi le premium qui est un petit peu moins cher mais qui est aussi très bon. Sur le site vous avez plein de choses différentes. Franchement je vous conseille vraiment d'aller voir. Le matcha pour ceux qui connaissent pas, ça a énormément de bienfaits, dont pour moi le plus important et le premier c'est l'énergie que ça donne. Et c'est surtout la manière dont ça donne l'énergie. C'est pas du tout comme le café où vous avez des pics d'énergie et après ça redescend. Et ça c'est terrible. Le matcha c'est vraiment incroyable pour ça. Ça donne énormément d'énergie. Et en fait vous montez tout doucement comme ça. Et c'est au fur et à mesure des heures et vous n'avez jamais de chute comme avec le café. Parce que parfois j'en prends, je suis KO et quand je vous dis vraiment genre une demi-heure après, je suis en pleine forme. Et même sans parler forcément de ça, il y a plein d'autres bienfaits, que ce soit même pour votre peau, pour votre digestion, pour votre système immunitaire, plein de choses. Je vous conseille vraiment d'ajouter votre petit matcha à votre routine. Si jamais vous êtes intéressé, parce que je sais que c'est Noël bientôt et c'est l'occasion de faire un beau cadeau à quelqu'un, j'ai une offre pour vous. Alors juste, je vous préviens maintenant, parce que je sais que c'est grave important, surtout pour les fêtes. Si vous voulez recevoir votre matcha
matcha pour Noël, il faut absolument que vous commandiez avant le 20 décembre. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir votre matcha. Et vous avez moins 15% sur absolument tout le site avec le code ANDYNOEL. Et j'aime trop parce que le matin, quand je regarde mes DM sur Insta, vous êtes grave nombreux à m'identifier sur votre petite story quand vous prenez votre matcha, Nathalie. Et ça me fait trop plaisir. Voilà, je suis trop contente. Je vais profiter de la vue pour une dernière fois. Je vous montre, attendez, avec mon cookie. Et après, je me bouge parce que quelle heure il est ? 8h20, je dois rentrer à 11h. Alors que là, vraiment, on dirait trop que je suis chez ma mère. Ok, les problèmes commencent maintenant. Il est déjà 9h, je rentre à l'appartement dans 2h. Là, c'est très 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 grave ce qui se passe. Les valises. Il faut que j'arrive à trouver une solution pour tout faire rentrer. Nous avons deux énormes valises. Et j'ai un sac, Jérémy me l'a laissé pour que je puisse mettre des trucs. Donc ça va être mes essentiels de survie. Et mes sacs, les trucs comme ça, les trucs vraiment que je peux pas, enfin que j'ai pas envie de mettre dans mes valises. Et j'ai aussi mon sac à main, celui-là. Je sais pas comment on va faire tout ça en si peu de temps. Je pense que ce qu'il faut absolument, c'est qu'en une heure je fasse toutes mes valises. Parce qu'après il reste encore ranger tout l'appartement, genre enlever les draps, enlever toute la nourriture, faire des sacs. Moi il faut que je m'habille, que je me répare un minimum. Et en une heure ça passe trop vite. Je sais que si je rends la clé genre après 11h, je suis facturée, je sais plus combien, c'est vraiment des malades. Je crois que je suis facturée genre 300 balles, je crois. Donc, non, je ne serai pas en retard. Je pense que je vais mettre une petite vidéo pour me motiver. Il est 10h, il me reste 1h pour tout finir. J'ai avancé, attendez je vous montre. J'ai rempli les valises, même avec une valise en plus j'ai pas cette place, c'est du délire. Elles sont franchement pleines à craquer, enfin je pense que ça se voit. Là c'est pareil, je dois encore faire rentrer mes bottes. J'ai encore deux vestes aussi. J'ai là des trousses de toilette. J'ai les cookies que je vais mettre dans ce sac là. Là c'est les habits que je vais mettre, je vais me changer. Ça y est, le dressing est vide. Ça me déprime, c'est horrible. La salle de bain est vide aussi. Je dois jeter 2-3 trucs. Mais dans la douche, il n'y a plus que les produits qu'il y avait à la base. Et là le pire reste à venir, il faut que je vide tous les placards, que je mette les trucs au lave-vaisselle. Et je pense que là je vais m'habiller maintenant, comme ça je peux aussi mettre mon pyjama dans la valise. Je vais vous montrer ma tenue spéciale pour l'avion. C'est une tenue que j'ai déjà mise plusieurs fois ici, c'est ma tenue préférée, c'est la plus confortable. Normalement j'adore prendre l'avion avec des joggings, mais là le seul jogging que j'ai, l'ensemble, il est genre violet super clair, enfin c'est un peu trop voyant pour moi. Donc je vais mettre ce pantalon de chez Nike que j'aime trop. Je vais pas mettre de leggings ni rien dessous. Si j'ai un peu froid, il y a des petites couvertures dans l'avion parce que je sais que si j'ai chaud et tout avec les valises, je vais transpirer, ça va être horrible. Et en haut, je sais pas encore, mais je pense que je vais mettre le pull en vrai. Sinon, j'ai un sweat noir ou mon pull noir col roulé qui vient aussi de chez Naked. Et je vais mettre des petites baskets et ce manteau là avec mon écharpe que je vais mettre dans mon sac à main. Et voilà. C'est l'heure de fermer les valises. Ma plus grosse angoisse. C'est impossible. Je vais essayer juste comme ça. Oh! C'était pas si difficile que ça. Ah, oh, je suis contente, j'avais trop peur. Ça y est, j'ai mes valises. Je dois dire au revoir à l'appartement. Ah, c'est trop triste. Cette vue pour la dernière fois. Oh, c'est terrible. Il était tellement incroyable cet appartement. Vraiment, l'année prochaine, si je reviens, je viens dans le même appartement, je pense. Il est incroyable. Au revoir la vue, au revoir tout le monde. Je vais aller donner mes valises à l'accueil et il faut absolument que j'aille travailler en plus parce que il y a ma vidéo qui sort dans 2h et elle est pas du tout terminée, ça craint. Donc je vais vite y aller. Terminé mon montage, je suis trop contente, j'ai réussi à sortir la vidéo dans les temps. Et du coup là je voulais faire un truc, j'ai très peu de temps parce qu'en fait faudrait que je prenne un taxi entre 14h et 14h30 et il est 13h30 passé. Je vais aller pour la dernière fois, je voulais vraiment faire ça avant de partir, je dois aller manger un bagel bien évidemment, c'est évident, j'ai pas besoin de me justifier. Donc je suis en chemin pour y aller. Je vais prendre un cream cheese saumon, je suis de le manger et je vais le manger au bord de l'eau je pense. Trop contente d'avoir le temps de manger un bagel, j'avais trop peur de pas pouvoir. Mais en fait si, donc trop bien. J'ai trop...
trouvé un endroit trop cool. En fait je suis au bord de l'eau et j'avais pas vu, mais ici il y a genre des chaises et un rebord, genre tu peux manger, c'est incroyable. J'ai mangé mon bagel, c'est trop beau avec la vue sur Brooklyn, le Brooklyn Bridge ici. J'ai trop peur que la caméra tourne dans le rue. Je rentre à l'hôtel récupérer mes valises, je vais prendre mon taxi. C'est la dernière fois que je marche en regardant en l'air avec toutes les tours. Je vais revenir très 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 vite. Je me suis jamais sentie aussi heureuse dans un autre pays. Ma tour pour la dernière fois. Oh là là, l'année prochaine je reviens exactement au même endroit. Je ne veux pas bouger d'un seul centimètre. Je suis posée à une table, du coup j'attends d'embarquer. Je me dis que je suis triste de partir, mais en même temps je suis contente de retrouver Jérémy et Mizo. Ça fait trop longtemps que j'ai, surtout Mizo parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Je pense que je vais filmer un petit peu dans l'avion. Il est 16h26 et j'embarque à 16h45. Je me suis posée avec mon ordinateur parce que comme d'hab, toujours dans mon montage. Et voilà, maintenant que je suis là, genre ça y est, j'ai quitté New York, je peux arriver à Paris maintenant. Oh mon dieu, cette tête de voyage et cette coupe de cheveux de voyage surtout. Je vais me recoiffer parce que je vous respecte quand même un petit peu. Je suis à la maison. Figurez-vous que cette vidéo sort à 19h et qu'il est 17h30, donc elle sort très très bientôt. Je filme que maintenant parce que ce matin du coup je suis arrivée, enfin je suis sortie de l'aéroport, il était genre 11h. Le temps de rentrer à la maison, j'ai retrouvé Mizo aussi. Mon dieu. Et puis il fallait que je monte toute cette vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas filmé de vlog pour demain, donc demain il y aura pas de vlog. J'espère que vous m'en voulez pas, vous savez même pas quand c'est trop dur pour moi de dire un truc comme ça. Genre je m'en veux trop, mais j'ai pas envie de vous sortir un vlog pour vous sortir un vlog, c'est ridicule. Là je suis complètement jetlaguée au final. Il y a des fantômes chez moi. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Avec le décalage horaire au final j'ai dormi que 2 heures cette nuit, parce que j'ai réussi à dormir que 2 heures dans l'avion. Donc c'est pas ouf, je vais me coucher super tôt ce soir, comme ça demain, les gars, demain je serai en pleine forme pour vous filmer un vlog trop cool qui sortira du coup le 17 à 19h. Activez les notifs si jamais c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous le loupez pas. Là il y a mes valises partout, je ne touche à rien, je fais rien, on fait tout ensemble demain. Et j'ai prévu plein de trucs jusqu'à Noël. Noël c'est la semaine prochaine. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure, j'étais choquée. Ça passe tellement vite, c'est dingue. Enfin bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures à New York. Et c'est pas fini, les vlogmas ne sont pas terminés. Il y a encore plein de choses, plein de surprises, plein de petits trucs qui vont se passer. J'ai extrêmement hâte. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta parce que du coup je suis active tous les jours en plus des vlogmas. Et merci à toutes les personnes qui m'ont proposé des idées de vlog dans les commentaires de la dernière vidéo parce que j'ai tout vu. Enfin bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais vous laisser là, passer une bonne soirée. On se retrouve du coup après-demain à 19h dans une nouvelle vidéo. Mouah.